Non, il n'y a que moi qui suis filmée. Salut les amis, salut les chéris, vous allez bien? Alors aujourd'hui est encore et toujours une journée particulière. Pourquoi? Parce que j'ai sorti la caméra, Krissa est sortie aussi. On devait faire une vidéo pour vous, tous les chéris. Et finalement, voilà ce qui Mais se qu'est-ce qui se passe. passe? Donc tout d'abord, on a ce monsieur François qui est arrivé avec les tout petits là. Et puis sa petite femme là, notre André, est arrivée. Salut! Bisous à tout le monde! Et puis Krissa est partie discuter avec des Allemands. Donc Krissa a disparu. Et puis ensuite, nous avons cet homme. Et oui, vous le connaissez, notre très cher Hollandais préféré, Patrick. Yes! Et maintenant, nous avons, bien sûr, la plus belle des Hollandaises, Petra. Donc, Petra, Patrick, André et François, t'as oublié son prénom? le boulanger. Ou la grande Le gueule. boulanger. Et en plus, je rigole pas parce qu'il m'apprend plein de choses. Il m'a donné des petits trucs que je vais appliquer pour faire le pain à la poêle. Alors ici, là, c'est vraiment superbe parce que en plus, André et François ne parlent pas anglais. Petra et Patrick, tu le sais déjà, ils parlent un tout petit peu français. Donc c'est moi, la pauvre, qui suis obligée de faire la traduction, moi qui sais à peine parler anglais. Bon, mais c'est Fanny. C'est funny. C'est Fanny. Non, c'est pas Fanny, c'est funny. Et Krissa, bien sûr, elle est partie toujours. Attendez, je vais essayer de trouver Krissa quand même. Ah non, elle est dans Foxy. Mais là, voilà, on découvre quoi? Oh, un homme et une femme. Donc c'est un couple allemand. Et donc ils sont en train de refaire le monde ensemble. Donc non, le programme de la vidéo avec Krissa, je crois que c'est mal barré. Voilà. J'étais en train de dire qu'on avait prévu de faire une vidéo C'est vrai. et tout est en train de partir dans tous les sens. C'est pas grave, on fera la vidéo un autre jour, hein. Et voilà, exactement. Donc j'ai Allez, laissé super, Krissa parler avec monsieur et madame allemand. Ça lui Allemand, fait. Mandeln. German. German. Allemand, Kinky, Mandeln, Allemand. Ah oui. Amande. Ah, Amande. amande. Ah oui, c'est doux les amandes, c'est bon. Non, non, mais je ne vous connais pas, je ne dirais pas que vous êtes bon. I Ich don't verstehe know kein Französisch. you. I don't know you, I can't say you are sweet, quite. Quite, quite or sweet, or both. Donc je les laisse tranquilles continuer. Et je retourne voir mon petit groupe. Voilà, vous avez vu comment on est bien installé. On a quelque chose de prévu en camping-car, c'est pas la peine d'y penser. Alors surtout, je vous sens venir les Français. Vous avez dû repérer sur la table le carton. Mais non, non, non. Il n'y a rien du tout dedans. Non, non, il n'y a rien du tout dedans. Ça devait me servir de trépied pour la caméra seulement. Hein. C'est tout, c'est Et avant tout. qu'il soit vide, il était plein. Oui, c'est à Crissa en plus. J'accuse. J'accuse Crissa. C'est à Crissa. Je lui ai piqué son On peut carton. l'accuser, elle n'est pas là. Voilà. Donc elle est en train de parler avec le petit couple d'Allemands. Ils sont toujours là à côté du camping-car? Oui, devant la porte. Oh, je sais pas, ils doivent refaire le monde ensemble. Oh, ils sont jeunes et ils peuvent rester sur les pattes. And you go to the shop? Oui. It was good? Il était très bon. Oui. Un peu cher, mais bon. Qu'est-ce que vous avez acheté? Nous avons acheté du pain. Et la mayonnaise, Ah, justement, on parlait de mayonnaise. Oui, la jus. Du jus. Juice. Oups. Ah, eggs. F. Les œufs. Les œufs. Des œufs. Ouais. J'avais compris, moi. Oh, voilà, André, tu vois. J'ai l'intuition, je suis intuitive. Mais oui. Ah, Loulou, c'est vrai. T'approuves?
Tu valides? Tu sais quoi? On devrait faire de la mayonnaise, toi et moi. Ah ouais. Pour quand? Pour tout le monde. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Ouais. On se met sur ma table, sans électricité. Tout à la main. Tout à la main. Et le coup de main du pâtissier, ça c'est beau à voir. Ah, et mon il coup va de main, battre la mesure. Tu vas voir. Tu mets une musique un peu rock'n'roll. Voilà. On te fait une mayonnaise rock'n'roll. I'm doing a deal with François, because before you come, we speak to the mayonnaise. And he said he must to take engine, electricity, and I said no, I don't need this. It's well, now I take a deal with always, you. Always hand, tout à la main. Oui, with the hand, only, and. Only. Here, a deal. Il a fait quand? Ouais. Now. Tout de suite maintenant? Now. When? Now. You like mayonnaise? Oui, oui. André, you like mayonnaise? Oui. Chrissa like Hola. Mayonnaise. I born on the mayonnaise. Je suis née dans la mayonnaise. D'accord? Ok, on te la fait quand? C'est parti. Maintenant, hein? Now, it's now. Oui, bah voilà, attaque. Il faut un œuf. Et là, maintenant, on a notre voisin. Si tu n'es pas d'accord, je le battrai. C'est comme lui attaquer dans sa gueule. Oui, parce que je me suis fait disputer. Je me suis fait disputer par des abonnés. Là, jamais, hein. Parce qu'au début de la vidéo, tu as dit que tu voulais pas. Et à la fin de la vidéo, on te voit avec Patrick. Ben oui, c'est bon. Je me suis rendu compte à un moment que ce ne serait pas possible de faire autrement. De toute façon. Ce n'est pas possible de faire autrement. Et toi, Bernadette, si tu me vois, Bernadette, c'est ta femme? Oh, Bernadette, on va se fâcher. Mais non, parce qu'il ne veut pas que sa femme ne soit pas contente. Non. Donc voilà, sa femme s'appelle Bernadette. Je ne veux pas être filmée. Seul avec une femme, ce qui est normal, puisque je suis marié, je ne veux pas que ma femme pense que... Oui, il a des copines en son absence. Voilà. Ah oui, bah donc là, Bernadette, je te présente André. Oui. Salut. Mais moi, c'est pas mon copain. Hein. Moi, j'ai mon homme, là. Hein. J'ai là, mon homme. Vois, elle est toute seule avec lui. Allez, on te fait marcher. Non, mais non, oui. Non. Et mon homme, il a des mains comme ça. Il faut et pas puis, s'y je te garantis qu'on n'a pas intérêt à séparer André de François, parce que vraiment, c'est le couple de l'année. Voilà. Et là, on a une très belle femme aussi, Petra. C'est vrai. Voilà. Mais Petra, c'est même pas la peine de la séparer de Patrick. Voilà. Et bien sûr, il y a moi. Mais moi, de toute façon, non, merci. Plus de bonhomme, plus de bonne femme, plus rien. Si, un chat. Non, un chat, j'ai jamais essayé les femmes, mais je ne veux même pas essayer les femmes. Les bonhommes, j'ai donné pendant des années. Non, merci. Tu te le gardes, ton mec, vraiment. Est-ce que Ambre écrit ça? Je ne saurais pas. Ah, il y a un bruit qui court. Hein. Hein? Oui, mais non, depuis hier, c'est fini. Parce que j'ai vu la vidéo de Chrissa hier. Oui. Où elle explique bien sa vie. Elle explique bien sa vie. Et elle explique bien que Ambre est sa meilleure copine. Etc. C'est sa sœur. Hein? Comment? Sa sœur de cœur. Voilà. Ouais. Donc j'ai bien compris. Mais j'ai eu un petit doute à un moment donné. Mais t'as pas été le seul, hein? Bah oui, t'as pas été le seul, hein? Beaucoup de personnes ont cru qu'on était homosexuels et qu'on était en couple. Oui. Alors, c'est vrai que si on était en couple et qu'on avait deux camping-cars, ça serait un petit peu compliqué. Mais oui, pourquoi pas, après tout. Mais non, nous ne sommes pas en couple, on ne sera jamais en couple. Façon, non, merci. De toute façon, vous seriez en couple ensemble.
Bah oui. Non, mais de toute façon, non, mais Pierre, si on était... Ah, c'est pas les couilles chez toi. On s'en va les couilles, non. J'ai voulu rester poli. Non, mais si on était homosexuel, on le dirait. On s'en fout. Mais on ne l'est pas. On va pas dire qu'on est homosexuel. Mais non, on n'aurait jamais pensé ça, hein, Loulou. J'aurais jamais eu cette idée-là. Je suis homosexuel, mais mon ami, c'est une femme. Voilà. Have you understood? Oui. Yes. Je comprends. Vraiment, Petra et Patrick apprennent de plus en plus le français. Oui. Pas le plus beau du français. Toutes les choses coquines. The French of the people. Petra comprend ce qu'on dit quand même. Petra, elle comprend, seulement Petra, elle parle pas beaucoup. Mm. Voilà. Je sais pas. Oui, mais Petra, elle comprend très bien, elle comprend bien le français. Pierre parle hollandais, hein? Allô, père, explique le français. Eh oui. Bah oui, parce que t'es un belge flamand, en plus. T'es pas parfait, hein. On a vraiment une belle brochette, là. Une belle brochette. Ouais. De français, bien français, un belge bien belge et des hollandais. Oh, 100% hollandais. Des hollandais hors normes. Mériteraient d'être français. Bah dis donc. Des hollandais qui mériteraient d'être français. Ah oui. Bah, do you understand? Yes. Voilà la dernière qui nous rejoint. Petra. Non, Petra. Chrissa. Chrissa a été rebaptisée. Ambre. Quatre femmes. On est majoritaire, non? Tu as vu la vidéo. Tu as vu ma vidéo. Et voilà, c'est ça d'avoir des abonnés à côté. Voilà. C'est que Pierre a vu la vidéo, il fait des commentaires sur la vidéo de Chrissa. Ah, il est beau. Non, et non, c'est ta chaise. Chrissa l'égoïste. Et toi, t'es chiante. Chrissa l'égoïste. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Donc, tu as permis à Pierre de savoir que nous n'étions pas en couple, qu'on n'est pas homosexuel. Voilà. Voilà. Enfin. Voilà. Merci, Chrissa. C'est moi qui ai perdu mon mouchoir. Oui, certainement. C'est vrai que j'ai eu des doutes avant. Oui, oui, mais t'inquiète pas, tu n'es pas le seul, là. Je vais vous faire remarquer que je n'ai rien. Il y en a plein. Il y en a plein qui se posent la question. C'est qu'en fait, dès le départ, on a eu la question souvent, mais pourquoi vous avez deux camping-cars? Ah, bah tiens, celle-là. Mais combien de fois on a entendu ça? Pourquoi vous avez deux camping-cars? Parce que les gens pensaient qu'on était en couple. Parce qu'on n'est pas en couple. Non, voilà. Vous êtes infortunés. Et voilà. Deux camping-cars. En plus, on est des riches retraités avec des gros camping-cars. Voilà. Et non, même pas. Ah, parce qu'il n'y a que des riches retraités qui peuvent se permettre d'avoir un camping-car. Voilà. Voilà. Et puis surtout, comme j'ai dit à Pierre, si on était homosexuel, on le dirait, mais comme on ne l'est pas, on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire mais quelque alors, chose. Ce qui m'a, mon ami, plein, c'est qu'il est camionneur. Il lui fait la fête et lui dit bonjour. Il ne faut pas croire qu'une femme ne peut pas être camionneur. Hé, t'arrêtes-toi. Et voilà, François est parti, revenu avec son fauteuil. Et là, maintenant, la vidéo qu'on devait faire que Chrissa et moi s'est transformée en assemblée générale. Alors, Chrissa, je vais t'informer de quelque chose. Ah ouais? Oui. Informe-moi. Mais là, elle va être contente, Chrissa. Pourquoi? On a gagné plein de sous, ça c'est bien ça. Ah ouais, yes. J'ai fait un pari avec François. Ah bon? Et quoi alors? C'est plus pour se protéger. Attends, parce que le temps que François et André sera là après... Donc oui, François salut et moi, les amis. On a fait un pari, c'est que François et moi, à main levée, on va faire une mayonnaise chacun, ici, là. À main levée. Ici, là, devant ouais, moi. Voilà. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir le coup de main, moi. Parce que moi, la mayonnaise, je sais faire uniquement avec le robot électrique. Bah, non, je sais bah, pas voilà. faire autrement. Non, mais lui, il bat la mesure pour la faire tout la de suite, mayo. Ils m'ont parlé de robot électrique. J'ai dit, oh là là, non, mais censurez-moi ça, tout. Voilà. Donc moi, j'ai fait à la main. Donc, le pari est lancé. Faut comment, si elle n'est pas réussie, j'aurai toujours le prétexte de dire les ingrédients n'étaient pas à même température. C'est vrai que la moutarde est au frigo. Et oui, la moutarde est au frigo. Température ambiante. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre, hein? Moi, je suis prête à dégainer. I'm ready to do my mayonnaise. Because I have
Oui, il faut un œuf. Mais la moutarde est au frigo. Là, out of the fridge, I have an egg out of the fridge. The oil too. Il y en a un qui a un œuf. T'as un œuf en dehors du frigo. Il a des œufs, il vient de faire ses courses. Bien au chaud, bien à l'abri. Mais ils sont très très froids ou pas? Est-ce qu'ils sont très très frais? Non, mais ça dans les œufs. Il y a des poussins. Non mais Petra elle vient juste d'aller acheter des œufs chez Fernando. Donc ils sont à température. Et moi j'ai de la moutarde de Dijon, mais elle est au frigo. Voilà. Moi j'ai de la moutarde de Portugal, soi-disant française, mais elle est très bonne aussi. Ah ben. Mais elle n'est pas au frigo. Et voilà. Mon huile n'est pas au frigo. Oh ben, l'huile, on ne met jamais au frigo, l'huile, non? Non, on la met pas, elle fige au frigo. Oh, c'est un concours. Bah oui, compris, moi je suis prête, hein, moi je dégaine. Hein, et nous, c'est comment c'est l'émission, là, les commentaires des cuistots. Là, et attends, c'est toi qui as la télévision, hein. Nous on n'a pas de télévision. Hein. Oui, Masterchef. Nous on fait Masterchef au Portugal en direct. Masterchef. Ah, moi je suis prête, hein. I'm ready to go. Hein. My home is here. Ma maison, elle est pas loin. Elle dans le ballon, elle est là. Elle est juste là. Et la maison bon, allez, de François, chercher. Elle tiens. Est tiens. Là-bas, entre Petra et Patrick. Mais voir ton pollen. Alors parce que la fraîcheur commence à descendre. Je vais chercher l'huile. Les ingrédients. Oui. L'œuf, Patrick va nous donner. Le récipient. Parce que ça, t'en parle oui, pas, tu mais tu l'as fait où, ta maillot hein? Tu l'as fait où, dans les mains, comme mais ça? Mais toi, t'as un récipient adéquat? Ah ben, je sais pas s'il s'appelle adéquat, mais François, un récipient. Un jaune seulement. Hein. Hein? J'en ai pas d'œuf. Non, mais Petra ou Pierre. Ouais. Bah, allez, puis, on dégaine, j'y vais. Ça y est. Tibétain. Ça y est, j'ai amené mon matériel. Tibétain. Donc, pour apprendre quand même, un œuf... À température, la moutarde toujours à température, jamais qui sort du froid. L'huile d'olive, huile classique. Là, ce sont des beiges, prends jamais de poivre et du sel au moulin, toujours. Et puis un fouet, la cuillère, c'est pour la moutarde. Le plat, il est trop grand, Loulou. Regarde, elle en a deux, plus petit. Et là, François revient avec son matériel. Oh, dis donc, il n'y a pas grand-chose comme matériel. J'ai beaucoup plus de choses, mon pauvre. Ouais, qu'est-ce mais attends. Hey. Bah, la viande, on la met métal. Après, la viande. Il est en métal, le sien. Tiens, en métal, non, ouais, bah, c'est bien. On va prendre voilà. Le sien. Et Petra est mise à contribution pour l'œuf. Oui. Pour François. Il inspecte la moutarde. Ça va. Voilà. C'est bien. Tire pas sur ma main, Nuts. Bon, alors. On l'a fait là-dedans ou là-dedans? Ah non, voyons. Ça, c'est mon pot. De... Ça, c'est ton pot. Et candidat. Ça, attends, mon œuf. Concours de et mayonnaise. Que le spectacle commence. Ah, les paris. Vous prenez des paris là. Attends, on prend les paris. Le voilà. Une cuillère pour mettre le pari de quoi de la mayonnaise réussie. Oui, déjà. Faut déjà la réussir. Ah, bah dis donc. Voilà, il y a du monde. Je fais n'importe quoi. Ouh, là, t'es mal barré. Ouais. Là. Voilà, je suis troublée. Ça y est, je fais des bêtises. Et bah, si je démarre comme ça. Mais avec attends, le blanc, pas, ça marche aussi, hein, j'allais dire Petra. Il a même un nom, s'en fout pas là. Hey, oh, attention, bah... hein. Il ah bah... a même un ah, moi aussi. Pas, un peu pour les observer du loin. Les chiens. Ah, elle marche aussi, elle va bien aussi. C'est la Ambre. Elle aura du mal de faire des sculptures avec moi, oui. Ah ouais. Non, j'aime pas, je t'ai dit quand elle est trop dure. Ah. Oh, tu vois, c'est comme ça que je l'aime.
C'est pour ça que j'ai fait. Ah bah c'est pour ça que je peux marier avec toi, André. Hein. C'est bon. Hein. Pierre, il a déjà il a tenté de me refiler Christa. On va pas me refiler André maintenant. Hein. Elle a beaucoup de goût. J'attends que tu viennes bien me redonner ton huile. Bah, attends, tu vas continuer à la monter. Bah, écoute, moi, tant que ça veut, hein, ça prend. Non, ça suffit. Non, c'est pour l'adoucir un peu parce qu'elle est forte en L'huile d'olive est très forte, donc. Tout ça, je l'avais dit au départ. Il y a une maillot foncée, jaune foncé, et la tienne est jaune clair. Ouais, elle préfère. Oui, parce que lui, il a mis que d'huile d'olive pratiquement. Non, mais attends. Yeah. What do you think about this? It's going there next to each other. No? Ah oui, retourner le saladier. Pierre, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je dis quelle technicité. Quel savoir-faire! Ah ouais! Alors, incroyable! Quel tour de main! Oui, c'est incroyable! Voilà! Et Domino, t'en penses quoi? Ça a bien réussi là avec ton huile. Ah, tu vois? Bon, la mienne, elle est bonne. Là. La tienne, elle est certainement bonne. Oh, allô? Hein? Ouais, c'est elle est belle. Et après, on mélange les deux et voilà. Make a test. En attendant, André, elle garde les chiens. Bah, je reste au soleil, il fait quand même meilleur au soleil. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Oh là là. Je veux pas. Christa. Elle a l'aspect d'une belle mayonnaise bien onctueuse. Elle est. Je vous signale que François est un professionnel. Non. Elle est plus ferme. Voilà. Elle est un peu plus forte en huile d'olive. C'est cela. Ouais, elle est forte en huile d'olive. Fais voir le tamayo, François. Elle est typée en huile d'olive, mais je peux remettre un peu d'huile normale. Celui de François est plus d'olive. Eh oui. Ouais. Il y a trop d'huile d'olive là, oui. C'est pas grave, tiens, je vais remettre. Viens voir. C'est vrai qu'elle est bonne cette huile d'olive. Hein. Ah oui, elle est très bonne, ouais. Elle est très parfumée, elle est bonne. Je remets un peu d'huile. Ah, c'est Camille de la mayonnaise là. Pas grave. Bon, ben voilà, vous avez tous de la mayonnaise maintenant. Et bravo. Et tout le monde a gagné. Et tout le monde a gagné. Et voilà. Donne-moi un gros bisou. Les deux gagnants. Merci aux participants. Merci aux gagnants. Les gagnants. Et maintenant, il faut trouver quelque chose à manger avec la mayonnaise. Voilà, on a gagné quelque chose à manger. Donc François et moi, on fait rien. Non, maintenant, c'est vous qui allez chercher à manger. Voilà. Comme quoi, c'est possible de faire que la main. Et tout ça. Pour partager avec tout le monde, on va pas manger ça. Et tout ça. Non. Sur notre terrasse à nous, avec une magnifique vue sur le paysage. C'est une partie du paradis. C'est une partie du paradis, effectivement. C'est magnifique. On regarde là que c'est vallonné, c'est beau. C'est joli. C'est un océan de verdure. Ah oui. Voilà. J'aime autant la montagne que. Celle-là. Ben oui, tu m'as visé. Alors, comme il n'y a plus, il y a beaucoup de mayonnaise, nos deux candidats gagnants ont dit qu'on va mettre de se mélanger. Voilà, ils ont décidé de se mélanger. Voilà. Attends, on va doucement parce qu'elle fige un peu quand même. Elle te met ça comme un tas de zézé là au milieu. Comme un gros pâté. Une grosse bouse. Non, c'est très bien.
Et je trouve que vous faites ça très bien. Il est où le bouchon de la bouteille? Il est là, à côté de moi. Ah oui, il est là, non, on ne peut pas, là. Là, on ne peut plus, là. Là, c'est la mayonnaise à priorité. Oui, je m'en doute bien, mais c'est pour ça que j'ai enlevé la bouteille, parce que dans le feu de l'action, ils étaient capables de la renverser. Comment on dit bol dans la langue de Petra pour qu'elle aille chercher un bol? Il a compris, Patrick. Oui, pour toi. Tout pot de mayonnaise. Parce que bien évidemment, François et moi, on n'a pas fait de la mayonnaise rien que pour nous deux. Hein. Voilà, ah non, hein. Ah mais moi je suis capable, je me prends un bol et je le mange comme ça, sans rien du tout. Hein. Et oui, on a la vine life attitude. Parce que j'adore la mayonnaise. Ah oui, donc, ok. Oui, mais ça se mange pas avec la mayonnaise, ça. Qu'est-ce qu'il amène? Un cubi. Oh, okay. Oh, je t'adore, Pierre. Il va quel chercher le cubi pour la mayonnaise, lui. Un petit pot, hein. Non, ah ouais, bah non, il faut... non, parce que tu pourras pas aller. Non, on va t'en donner plus. Si, Pierre, avec une petite fille. Arrête, Luc, tu n'as pas de... Voilà. Non, mais tu peux le mettre en... dans un bol, petit... Pas de bol, hein. Je vais lui... Pas de bol, pas de bol. Non, laisse, bol. Pierre, laisse. Attends, j'ai un petit bol, film. J'ai un bol. Non, attends, je vais lui donner la tombe. Et bien voilà, donc, de deux mayonnaise... On n'en a fait qu'une. Non, on en a fait qu'une. Et maintenant, nous en sommes au partage. Tout simplement. Et voilà, et maintenant, oui, on partage tout ça. Pas copain. Donc ça, c'est un bol pour Pierre. Parce que Pierre n'a pas assez de vaisselle. Je ne sais pas combien... Parce que ça va faire combien de parts, là? Alors, comme on couche ensemble, toi et moi, donc ça fait une part. Tu t'es fait avoir, merde. Quand on est en couple, on a fait avoir. Là, du coup, on est en couple. Non, mais c'est quoi? C'est n'importe quoi. Ça, c'est pour toi. Sincèrement, en tant qu'homme, j'avais des fantasmes. J'ai dit, oh, elle a cassé mon fantasme. François, t'en mets pas beaucoup parce qu'il est, il sera seul à en manger. Hein. Elle a cassé mon fantasme. Maintenant, je ne suis pas en couple. Non, mais non. Et mais non. Voilà. Et mais non. Mais du coup, c'est vous qui vous retrouvez sans récipient. Bah oui, parce que tu m'as mis le blanc dans le mien. Bon, je vais jeter les blancs. Je peux reposer les... Il faut tout trouver. Ben là, de toute façon, il est trop grand, ce récipient, François. Il faut que tu ailles chercher quelque chose de petit. Non, non. Non, mais je peux le transvaser après. Hop. Bon, c'est pour ramener chez nous. Voilà. Et après la mayonnaise, Pierre dégaine carrément... La big box. Je ne dégaine pas. Et attendez, il n'a même pas bu son verre encore. Oui, oui. Voilà. Et je vous fais remarquer que les trois hommes sont ensemble. Et les quatre femmes. Voilà. Et les quatre femmes ensemble. Une, deux. Bon, normalement, il y a ma place. Et Petra. Tu feras attention, il y a une araignée là sur la chaise. Ah non. Ah. Elle doit être dans la vidéo, vraiment, tout le monde. Ah oui, faut la mettre dans la vidéo. Ça y est, elle va nous faire un... Elle était toute petite, hein. Elle va nous faire un comment. Non, mais en fait, ambre et les araignées, c'est comme ambre et la cannelle, elles tombent dans les... Et là, je vous dis au revoir. À bientôt.